Coucou, on est le 27 octobre et voilà, cette semaine ça se réactive bien. Après que l'électricité ait été quasiment terminée, il y aura juste les finitions avec les goulottes pour cacher les fils et puis encore passer un câble. Donc là voilà, les graviers sont prêts pour la phytoépuration. Voilà, et ça se précise vraiment bien parce que le parquet, voilà, au rez-de-chaussée, le plancher, pardon, est en train de se faire. Il est déjà fait là-haut, donc au premier étage. Et là, voilà, il y a Régis et Christelle qui sont revenus pour terminer. Youpi ! Vous pouvez voir comment est faite l'isolation avec la fibre de bois qui est mise entre les lambourdes et donc pour recevoir ensuite le plancher. Voilà. Donc là, je suis en train de mettre du goudron scandinave sur l'OSB ici. Voilà, parce qu'il est à nu. Et donc, Régis m'a suggéré d'en mettre. Et je trouve que c'est une excellente idée parce qu'il n'est pas protégé. Et donc, je vous rappelle que le goudron scandinave, c'est ce qui permet de protéger le bois de la pourriture. Normalement, on en met sur les bois enterrés. Et donc, j'ai trouvé que c'était pas mal parce que là, c'est pas mal exposé aux intempéries. Donc, du coup, voilà, je suis juste en train de passer une petite couche sur l'OSB. Et puis, ça ira, je pense, comme ça. C'est déjà pas mal. Voilà.